Ça, c'est ce que
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Nous avons examiné à l'occasion de ce Conseil des ministres un certain nombre de projets d'ordonnances et de projets de loi que je vais me permettre en introduction de vous livrer rapidement. Je laisserai ensuite la parole à mes deux collègues. Le premier projet de loi présenté l'a été par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'est un projet de loi qui permet aux membres du personnel de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui est une agence autonome de l'Union, de choisir entre une affiliation au régime général de sécurité sociale française et le régime de protection propre à cet institut. Il s'agit là d'un projet de loi extrêmement technique. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a présenté pour sa part un projet de loi qui ratifie une ordonnance que nous avions déjà eu l'occasion de discuter au mois de février dernier, qui a trait au règlement transactionnel de l'un de nos plus gros contentieux fiscaux de masse, à savoir le remboursement de la contribution au service public de l'électricité. Enfin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté une nouvelle ordonnance d'adaptation des procédures d'accompagnement des Français et des entreprises dans la période de la crise sanitaire. Il s'agit d'abord d'étendre à la Poste la réduction des délais de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail, et ensuite d'ouvrir aux entreprises de taxis conventionnées, soit 55 000 entreprises en France, le bénéfice de l'aide qu'attribue l'assurance maladie aux acteurs de santé conventionnés qui ont subi, du fait de la crise, une forte baisse de leur activité. Les ministres qui m'accompagnent ont, pour leur part, également présenté différents décrets et projets de loi. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a présenté un ensemble de textes liés à l'organisation du second tour en métropole. Je lui céderai directement après mon intervention la parole. Il pourra tout de suite, dans la foulée, répondre à vos questions, étant attendu ensuite à une réunion place Beauvau. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a lui présenté un ensemble de textes liés à la gestion de la dette de l'ACOSS dans le cadre de la crise du Covid-19, qui a amené le gouvernement à prendre toute une série de mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Il vous en fera la lecture et pourra à son tour répondre à vos questions. Je prendrai à la fin de la conférence de presse les questions qui n'auront pas trouvé preneur avant. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, vous le savez, lors du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, les électeurs de 30 143 communes ont désigné des conseils complets. Dans ces communes, aujourd'hui, la vue municipale peut reprendre sur la mise en œuvre, la traduction de ce choix électoral fait par les citoyens. Leurs élus sont entrés en fonction et depuis ce week-end jusqu'à jeudi, leurs conseils municipaux peuvent se réunir pour désigner les maires, les adjoints, pour établir les exécutifs municipaux. Et donc, je voulais commencer mon propos par les féliciter, saluer tous ces élus locaux qui prennent leurs fonctions aujourd'hui. Sans doute n'avaient-ils pas imaginé que leur mandat débuterait dans un tel contexte. Chacun le sait, leur mission est de la plus haute importance, leur responsabilité plus forte aussi. Et je sais leur engagement total pour avoir été élu maire par 3 fois. Je sais ce que c'est que cet engagement, cette réalité-là. Et je leur souhaite bon vent dans l'action. Mais évidemment, leur dire tout de suite que l'État sera totalement engagé à leur côté dans la gestion de la crise que nous connaissons comme demain pour mettre en œuvre le projet sur lequel ils ont été élus. Je veux vraiment évoquer leur énergie, leur mobilisation et saluer cela. Mais je voudrais aussi évoquer les équipes sortantes qui, quelquefois, par choix, ne se sont pas représentées, quelquefois ont été battues et pourtant, jusqu'au bout, ont assumé cet engagement avec un niveau de qualité et de sens du service et de l'intérêt général que je souhaite saluer. Cependant, comme vous le savez, la propagation de l'épidémie de Covid n'a pas permis, le 22 mars, le second tour des élections municipales. Ainsi, dans 5 000 communes de notre pays, qui représentent quand même 16 millions d'électeurs, les Français directement concernés n'ont pas pu élire leurs conseils municipaux et donc il fallait agir sur ce sujet. La loi du 23 mars 2020 déterminait un cadre clair. Une évaluation du conseil scientifique était nécessaire,
Soit l'élection pouvait se dérouler d'ici fin juin et seule l'organisation du second tour était nécessaire, soit il convenait de trouver une date ultérieure après l'été. Et c'est l'intégralité des opérations électorales qui aurait dû être revue pour ces 5000 communes concernées. Et vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, c'était une décision difficile entre des choix qui présentaient l'un comme l'autre des contraintes importantes et des réserves légitimes. Cette décision, elle a d'abord été prise en fonction de l'état de la situation sanitaire et de l'avis du Conseil scientifique qui a été rendu le 18 mai. Elle tient compte de la situation actuelle, de l'incertitude sur la situation qu'on aurait pu connaître plus tard, après l'été, cet hiver, au printemps et au-delà. Et elle prenait compte aussi du fait qu'il aurait fallu, dans ce cadre-là, faire deux tours d'élection, ce qui en soi aurait pu présenter un risque particulier. Cette décision, elle prend en compte aussi la nécessité de mettre en place des règles sanitaires rigoureuses pour la campagne comme pour le jour du vote. Ensuite, cette décision, vous le savez, elle est le fruit d'une large consultation conduite par le Premier ministre avec les associations d'élus comme avec les responsables des partis politiques. Elle a été prise avec gravité et avec responsabilité. Mais elle est aussi motivée par le souci de la cohérence et par celui de défendre toujours la démocratie. Au moment où nous avançons pas à pas dans le déconfinement, nous ne pouvions pas laisser la démocratie et la vie locale sur le bord de la route. C'est ainsi que la semaine dernière, le Premier ministre vous a fait part de la décision retenue d'organiser le second tour du scrutin le 28 juin. Et donc, en conséquence de cette décision, j'ai présenté ce matin au Conseil des ministres deux décrets portant convocation des électeurs au second tour des municipales. De cette date découle des échéances précises. D'abord, le dépôt de candidature qui, dans la loi du 23 mars, était au plus tard le mardi 2 juin. Le décret prévoit l'ouverture du dépôt de candidature du vendredi 29 mai jusqu'au mardi 2 juin. De même, le décret prévoit que la campagne officielle pour le second tour débutera le 15 juin. Il précise également qu'un décret spécifique a été pris pour la convocation des électeurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie après consultation des responsables politiques et institutionnels locaux pour prendre en compte la situation spécifique de ces territoires. Si la situation hors Pacifique venait à évoluer, ce décret spécifique permettra d'organiser le second tour le 28 juin dans les collectivités du Pacifique. Cette décision est un choix prudent. C'est un choix qui prend en compte l'évolution de l'épidémie. Et si d'ici 15 jours, le Conseil scientifique estimait que la situation ne permettait plus l'organisation du scrutin dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, le second tour de scrutin serait alors annulé et les élections reportées. Comme pour chacune des décisions que nous avons prises dans le cadre de la gestion de l'état d'urgence sanitaire et du combat contre le Covid-19, la réversibilité doit être intégrée, doit être prévue. C'est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, et seulement dans cette hypothèse, nous avons préparé cette éventualité. Et j'ai ainsi présenté aussi en Conseil des ministres deux projets de loi permettant un éventuel report du scrutin. Le premier projet de loi permet en fait l'annulation du second tour, permet d'annuler du coup aussi les résultats du premier tour et de fixer au plus tard, comme le Premier ministre l'avait annoncé, à janvier 2021, la date d'organisation d'un premier et d'un second tour. Ce texte prévoit également, dans cette hypothèse, le remboursement des dépenses de campagne engagées pour les élections du 15 mars et celles qui sont engagées aujourd'hui encore dans le cadre du compte de campagne, ainsi que l'organisation transitoire dans les communes et dans les intercommunalités. Enfin, le texte prévoit aussi les modalités du report des élections consulaires qui étaient prévues à l'origine ce mois-ci. Le deuxième projet de loi est un projet de loi organique qui reporterait d'un an les élections sénatoriales prévues en septembre 2020. Dès lors que l'élection municipale n'a pas pu avoir lieu, le collège électoral restant celui de la situation hanté des élections pour une partie du corps électoral, il était nécessaire de proposer ce report. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce sujet est claire depuis 2005 et c'est la raison pour laquelle nous avons pris en compte, là aussi, l'hypothèse de l'annulation des élections et donc le report dans un projet de loi organique des élections sénatoriales. Mesdames et messieurs, nous nous préparons à toutes les éventualités. C'est notre responsabilité. Mais surtout, nous nous donnons toutes les chances pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions sanitaires et démocratiques le 28 juin.
pour éviter la propagation du virus, pour protéger les électeurs, pour protéger les candidats et tous ceux qui tiendront les bureaux de vote, des règles claires vont être adoptées et nous veillerons au respect strict de ces règles. Nous avons un mois devant nous. C'est bien plus que les 5 jours habituels d'entre-deux-tours. Un mois pour réinventer notre manière de faire campagne et pour nous préparer aux opérations de vote. Nous devons tout faire dans la concertation avec les associations d'élus comme avec les partis politiques. Dès cet après-midi, j'engagerai des consultations à ce sujet en recevant à Beauvau les représentants des forces politiques du pays ainsi que les représentants des associations de maires pour trouver toutes les solutions qui permettent de garantir à chacun la sécurité sanitaire pendant la campagne comme le jour du vote et faire en sorte que ces élections puissent remporter le succès que justifie l'engagement constant des équipes municipales, et nous l'avons vu ces dernières semaines. Il nous appartient d'être au rendez-vous de l'accompagnement de cet engagement, et ce qu'évidemment l'État fera totalement, j'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec les associations d'élus et avec les partis politiques. Je vous remercie. Bonjour Madame et Messieurs les ministres, Mathieu Coache, BFM TV, avec Bastien Auger de TF1 LCI. Nous allons porter la parole de nos confrères et une première question de CNews pour vous, Monsieur Castaner. Vous avez dit ne pas exclure la possibilité du vote par correspondance. Comment s'assurer en 4 ou 5 semaines que ce soit possible techniquement et y a-t-il des risques de fraude ? D'abord, le vote par correspondance existait dans notre pays jusqu'en 1975 et le législateur à ce moment-là, et donc ça appelle, si nous devions modifier, une modification législative par le Parlement, le législateur à ce moment-là a considéré qu'il y avait un risque et des pratiques frauduleuses, et c'est la raison pour laquelle il a remplacé le vote par correspondance par le vote par procuration, dont je vous rappelle qu'il fait l'objet d'un contrôle par un officier de police judiciaire qui vérifie bien la qualité de la personne qui donne procuration, le fait qu'elle soit en capacité de donner la procuration, et donc c'est une sécurité supplémentaire. Mais c'est un exercice qui est difficile. Il faut aller au commissariat, il faut aller à la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle certaines associations d'élus ont sollicité de notre part que nous examinions la possibilité du vote par correspondance. C'est lourd, c'est difficile, ça implique une modification législative, mais rien n'est impossible. Mais il faut avoir en tête le coût, la faisabilité, les délais assez courts pour avoir la traduction législative et la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous allons y travailler cet après-midi avec les associations d'élus. Nous allons d'abord voir si, pour les partis politiques, c'est un sujet d'urgence. Et nous prendrons la décision avec les associations d'élus en fonction de la faisabilité. Je ne peux pas vous dire, et je ne vous dirai pas que c'est facile et que c'est simple. C'est même coûteux. Et donc, il faut voir si, au fond, c'est la meilleure façon de soutenir cette élection. Mais je ne souhaite rien exclure, dès lors que, juridiquement, s'il y avait une modification législative, ce serait possible. Bonjour. Une question pour mes collègues de TF1 LCI. Vous aviez dit que vous étiez ouvert à laisser autoriser des réunions publiques pour cette campagne. Est-ce qu'il est possible de savoir dans quelles conditions ces réunions publiques pourraient être possibles ? Vous dites aussi qu'on pourrait envisager d'avoir plusieurs procurations par personne. Donc la question, c'est combien ? Et enfin, vous voulez laisser les bureaux de vote ouverts plus longtemps et plus de bureaux de vote. Est-ce que vous ne craignez pas que cela crée des difficultés d'organisation pour les maires qui seront en charge d'organiser ces élections ? Toute décision porte en soi un élément de difficulté. Je vais prendre la dernière, celle du fait que, comme c'est l'usage dans les grandes villes, on puisse voter de 8h à 20h, alors que dans des villes moyennes ou plus petites, on ne vote que de 8h à 18h. Vous avez raison, c'est 2 heures de permanence supplémentaire pour les membres du bureau de vote. De la même façon, nous évoquions à l'instant le vote par correspondance. Le vote par correspondance implique que l'on mette les enveloppes reçues en mairie généralement avant l'élection dans l'urne et qu'on passe au crible la liste d'émargement pour vérifier que la personne est bien inscrite, c'est généralement 2 à 3 heures que nous avions précédemment avant l'ouverture du bureau de vote. Ça veut dire des bureaux de vote qui, du coup, devraient mobiliser les assesseurs, le président, dès 5h, 6h du matin pour préparer cela. Mais c'est aussi le choix que nous devons faire. Ce qui compte pour les membres du bureau de vote, c'est d'abord de garantir leur protection sanitaire. Le conseil scientifique a fait un certain nombre de préconisations, visières, masques chirurgicales par exemple. Évidemment, nous mettrons en œuvre toutes les préconisations du conseil scientifique pour garantir cette sécurité sanitaire. Et nous devrons prendre cela en compte. La décision d'ouvrir jusqu'à 20h sera faite sur proposition des maires en place et l'instruction sera donnée et ce sera possible que les préfets autorisent cette ouverture-là. Sur la question que vous avez posée sur les procurations. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une procuration
d'une personne résidant dans la même commune que vous et une procuration de quelqu'un qui serait inscrit sur la liste électorale mais serait résident à l'étranger et pourrait depuis l'étranger donner cette procuration. Si nous avons une modification législative, nous aurons la possibilité de prévoir qu'un seul mandataire puisse porter la procuration de deux mandants qui sont sur la liste électorale et qui sont dans la commune. Et peut-être même, je sais qu'il y a des réflexions législatives, pour que éventuellement quelqu'un qui ne soit pas dans la commune, mais un membre de la famille, puisse venir voter en lieu et place. Ce sont des assouplissements que nous pouvons parfaitement étudier. Aller au-delà de deux nous poserait un problème informatique, un problème d'organisation, mais donc nous sommes ouverts sur ce sujet-là. Sur votre première question qui était... Sur les réunions publiques, oui. Mais d'abord, nous allons en discuter cet après-midi avec les partis politiques qui portent la voix des candidats. Et donc, ce qui compte, c'est de respecter l'ensemble des règles sanitaires d'organisation des réunions publiques. Il y aura un CDSN demain pour préparer l'étape suivante, mais le ministre de la Santé et des Solidarités en parlera mieux que moi, qui arrêtera des règles sur les rassemblements qui peuvent évoluer. Et donc, c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous pourrions envisager que des réunions publiques puissent avoir lieu. Mais notre objectif est de donner plus de liberté dans l'organisation de la vie collective. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons trouver une réponse aux partis politiques qui souhaitent maintenir des réunions publiques. Mais j'insisterai tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de communiquer, et peut-être que nous pouvons travailler sous d'autres formes que les réunions publiques, dont on peut craindre d'ailleurs qu'elles ne suscitent pas un engouement, si tant est, je parle par expérience personnelle, que les réunions publiques politiques suscitent de grands engouements. Une question sur le déconfinement. Est-ce que la règle des 100 km sera au menu des annonces de demain par le Premier ministre ? Est-il envisagé de la supprimer ou de l'assouplir ? Je ne doute pas que nous prendrons un certain nombre de décisions sous l'autorité du président de la République demain au CDSN, que le Premier ministre, le ministre de la Santé et des Solidarités, et pour ma part, pour ce qui relève de mon portefeuille ministériel, nous ayons l'occasion de revenir vers vous. Une dernière question, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir. De Europe 1, dans les villes comme Paris, les parcs sont fermés, mais les gens se massent autour des grilles et dans les rues. Au-delà des questions sanitaires, certains dénoncent un affrontement entre l'exécutif et la mairie de Paris. Est-ce que les Parisiens sont victimes d'un affrontement politique ? Regardez simplement les conditions sanitaires, et c'est la seule chose qui compte. La différence entre un parc et une rue, c'est la position statique, c'est l'effet de regroupement. Et c'est à ce moment-là, la promiscuité et la durée du regroupement et de la promiscuité, que le facteur de risque augmente sur la propagation du virus. C'est la raison pour laquelle les autorités sanitaires ont déconseillé l'ouverture des parcs qui provoque, par la mobilisation statique, un effet d'attroupement. Circulent sur les réseaux sociaux actuellement des photos de certains parcs parisiens, non pas récemment, mais l'été dernier. Et vous pouvez voir cette densité assez naturelle compte tenu de la densité de la population. C'est un sujet sur lequel il fallait écouter les autorités sanitaires dans le contexte sanitaire où nous étions. C'est un sujet qui reviendra en discussion demain pour préparer la suite, la nouvelle étape post-confinement. Et c'est un sujet sur lequel il faut prendre en compte les sollicitations. Mais ne voyez rien de politique sur ce sujet. Je rappelle que certains ont voulu la ramener à un débat parisien gouvernement, alors que cette règle s'applique sur l'ensemble des régions classées en rouge de notre pays. Et donc, ça a été vrai sur l'ensemble des régions de notre pays. Et ça me permet surtout d'insister sur le fait que même des endroits où on peut se rassembler, quand on s'arrête en position statique, quand on se regroupe entre amis pour partager un moment d'échange amical, on doit faire particulièrement attention à ces moments-là, parce que c'est là où le virus peut le plus facilement se développer. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je n'ai pas peur de le dire, je pense que c'est un jour important pour l'histoire de notre sécurité sociale. Nous avons été amenés, avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, à présenter deux projets de loi qui, sous couvert de questions à la fois techniques et ô combien cruciales, portent en eux les germes, les ferments de ce qui pourrait, de ce qui sera un nouveau risque dans la sécurité sociale. Ces deux textes, ils ont deux objectifs, deux finalités. D'abord, gérer une forme d'urgence. Nous avons une dette sociale, nous avons des déficits dans le champ du social qui sont liés pour part à des déficits qui préexistaient, pour d'autres à des dépenses nouvelles dans le champ de la santé liées à l'épidémie,
pour d'autres encore, à des mesures qui ont permis de protéger les Français. Je pense notamment au chômage partiel. Cette dette, elle nous incombe. Cette dette, il nous faut la rembourser en responsabilité. C'est pourquoi le premier projet de loi transfère des déficits vers une caisse qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, et prolonge la durée de cette caisse de manière à ce que nous puissions, au même rythme de remboursement, mais en remboursant plus longtemps, c'est-à-dire en étendant le remboursement de 2024 à 2033, rembourser notre dette, liée notamment à l'épidémie, et ne pas la laisser aux générations futures. La deuxième grande mesure, portée par ces deux textes de loi, consiste à préparer l'avenir en concrétisant enfin une nouvelle, une grande, une belle ambition sociale. Le texte de loi propose en effet d'aller vers la création d'un nouveau risque, d'une nouvelle branche dans la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie. Nous élargissons le périmètre de la sécurité sociale tel qu'il a été défini en 1945 et nous faisons le choix de la solidarité nationale. Le président de la République s'y était engagé, le Premier ministre l'a rappelé plusieurs fois, cette ambition sociale très forte, cette réforme très forte sur le plan social pour notre quinquennat, qui consiste à protéger les personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est une réforme, je vous le dis, majeure, à la portée sociale considérable, qui est extrêmement attendue par les acteurs du monde du médico-social et par les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de dépendance. Cette réforme, elle a été annoncée un nombre incalculable de fois, plus de 10 ans déjà, qu'on promet qu'il y aura un nouveau risque dans la sécurité sociale. Plusieurs de nos prédécesseurs avaient échoué à mener cette réforme à son terme, même si des avancées avaient pu être portées dans les années précédentes. Pour financer ces dépenses nouvelles, nous mettons en place un mécanisme qui consiste à prolonger d'encore un an la fin du remboursement de notre dette sociale, de manière à, si je puis m'exprimer ainsi, baisser les mensualités, baisser le niveau de remboursement et prendre une petite partie de ce remboursement, une petite partie de CSG, l'équivalent quand même de 2 milliards d'euros par an, qu'on bascule de ce remboursement de la dette vers ce qu'on appelle la CNSA, qui est la caisse qui gère les dépenses en lien avec la perte d'autonomie. Ce mécanisme sera en place, le projet de loi le prévoit dès 2024. Entre aujourd'hui et 2024, il nous revient donc d'entamer la réflexion de manière à identifier des mécanismes de financement pour pouvoir financer ce risque de perte d'autonomie sans attendre. On parle là de former du personnel compétent, d'aider le personnel compétent à mieux travailler, de renforcer la bientraitance en établissement, d'être capable d'avoir plus aussi de personnel, d'avoir une meilleure valorisation du métier de ces personnes, de mieux accompagner au quotidien toutes celles et ceux qui sont dans des situations de fragilité particulière. C'est maintenant aux parlementaires de s'emparer de ce beau sujet, de le faire avancer, de le faire progresser, de le mener à son terme. Parallèlement à cela, nous travaillons avec la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel. Nous avons tracé le premier sillon de cette nouvelle branche dans la sécurité sociale. Beaucoup de choses restent à construire, mais ça va aller vite. Et prochainement, le gouvernement sera amené à présenter un plan, un ensemble de propositions concrètes, notamment dans le champ du grand âge. Ce plan sera dévoilé dans les prochaines semaines et plusieurs de ces mesures seront adoptées dès le prochain budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire cet automne. Je vous remercie. Vous avez été complet sur cette réforme, donc je vais me permettre d'enchaîner avec... Importante. Très importante, mais avec une question sur une autre actualité. Pourquoi prendre une mesure aussi radicale que l'interdiction de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid, alors qu'il y a encore un débat scientifique sur ce sujet? Est-ce que c'est une manière de mettre au banc le professeur Raoult? Ah non. D'ailleurs, je l'ai appelé hier, on en a parlé, je l'ai prévenu de la décision. Ce n'est pas ma décision, c'est une décision, certes, que je prends, mais sur la base des recommandations scientifiques. Vous savez, depuis 3 mois, le Haut Conseil de santé publique, on l'a amené à se prononcer sur beaucoup de choses. Les conditions d'accueil de nos enfants dans les écoles, c'est le Haut Conseil de santé publique. Les conditions de transport en commun, c'est le Haut Conseil de santé publique. Il est amené à nous faire des recommandations sur la base de la littérature nationale, internationale, sur des avis d'experts, en toute indépendance, il nous émet des recommandations. En mars, souvenez-vous, j'avais saisi le Haut Conseil de santé publique sur la question des traitements, en lui disant, est-ce que, oui ou non, faute de traitement parfaitement identifié, on peut en proposer, dans des conditions exceptionnelles, ce qu'on appelle un accès compassionnel chez des malades graves à l'hôpital? Et le Haut Conseil de santé publique m'a dit, oui, aujourd'hui, il y a des études qui sont en cours, mais comme on n'a rien d'autre à proposer, proposons cela.
Là, je l'ai sollicité sur la base des dernières études et je lui ai posé la même question. Et le Haut Conseil répond de façon très claire que sur la base des études, sur la base des avis d'experts nationaux et internationaux, le Haut Conseil considère qu'il y a plus de risques aujourd'hui à prescrire en mono ou en bithérapie ce traitement qu'à ne pas le prescrire, d'autant qu'il n'y a pas d'argument étayé permettant de vérifier si ce traitement est efficace. Néanmoins, les études cliniques qui sont en cours vont pouvoir se poursuivre. Par ailleurs, je peux vous dire que ce traitement, en pratique courante, est extrêmement peu prescrit depuis la fin du mois de mars. Extrêmement peu prescrit, et en ville, et dans les hôpitaux. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a pris elle-même un certain nombre de décisions, notamment en demandant ce qu'on n'inclut plus de nouveaux malades, c'est-à-dire qu'on ne prescrive plus ce traitement dans le cadre d'études cliniques, en France comme à l'étranger. L'essai multicentrique européen vient de décider d'interrompre l'inclusion des malades dans cette branche. C'est pas... Enfin, moi, pardon, je ne joue pas à faire de la politique avec l'état de santé des Français. Je ne joue pas à faire de la politique depuis le début de cette crise épidémique. Ce serait insensé, ce serait indécent et ce serait surtout inintéressant. Le directeur, toujours sur ce sujet, le directeur général de la santé a déclaré qu'il n'y a pas d'interdit en France, que les médecins ont la liberté de prescrire. Donc, est-ce que le docteur Raoult, à qui vous avez parlé hier, peut continuer à prescrire de l'hydroxychloroquine et d'autres médecins sont-ils habilités à le faire à partir d'aujourd'hui? Je vous propose qu'on fasse un pas de côté. Comparaison n'est pas raison. Mais faisons un pas de côté, oublions une seconde ce traitement et parlons de dizaines, de centaines d'autres traitements pour lesquels il y a ce qu'on appelle des habilitations, des autorisations de prescription. C'est ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché et d'autres pour lesquels il n'y en a pas. L'histoire assez récente de notre pays a montré qu'il pouvait y avoir par moment un certain engouement pour des médicaments et que les prescriptions pouvaient être entre guillemets borderline, excessives, inadaptées et ça a pu conduire à des drames sanitaires. Je vais vous en citer un, le médiator. Je ne dis pas du tout que la chloroquine soit le médiator. Je vous parle du principe qui consiste à dire, à un moment donné, que l'autorité scientifique, en indépendance, sur la base des études dont elle dispose, puisse être amenée à prononcer ou à inviter le politique à prononcer une décision d'autorisation ou d'interdiction. Si le traitement, si les études qui vont sortir, y compris sur les phases précoces, j'entends les polémiques sur est-ce que ça marche en tout début de maladie et pas en phase tardive, il y a des études qui suivent leur cours, on aura des résultats bientôt, notamment une étude anglaise. Imaginez une seconde que cette étude montre, une étude de qualité, validée, montre que ce traitement fonctionnerait dans certaines indications. Mais je serais le plus ravi des ministres. Je serais le plus ravi des ministres. Je serais amené dans ce cas-là à saisir le Haut Conseil de santé publique qui me dirait, sur la base de cette étude, on peut être amené à le prescrire ou à ne pas le prescrire. Et je prendrai la décision. J'ai toujours suivi l'avis de cette autorité. Toujours. Donc, encore une fois, pas de polémique et pas non plus ne pas laisser croire. Et j'ai parfaitement confiance dans la médecine de notre pays, dans la qualité de sa formation, la qualité de sa recherche, la rigueur scientifique. Elle est importante parce qu'on parle là de médicaments qui peuvent avoir un impact sur la santé des Français. Pardon, ça ne répond pas tout à fait à la question. Est-ce que le professeur Raoult, à qui vous avez parlé hier, peut continuer aujourd'hui à prescrire de l'hydroxychloroquine? Quand j'ai posé la question au professeur Raoult, et je crois qu'il a d'ailleurs répondu lui-même hier, il m'a dit de toute façon, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de malades, donc la question de la chloroquine, lui considère que la question de la chloroquine est derrière lui. Moi, je considère qu'elle n'est pas derrière nous, parce qu'il faut pouvoir se tenir prêt. Et si on avait un traitement qui pouvait être efficace et qu'il y avait une augmentation du nombre de malades, qu'on puisse se réserver la possibilité de le faire. Maintenant, il y a un cadre réglementaire qui définit la possibilité ou non de prescrire un médicament. Ce médicament, dans cette indication, comme d'autres médicaments, dans d'autres indications. Si un prescripteur s'affranchit des règles, il prend, entre guillemets, ses risques. Je vous ai répondu. Sur un autre sujet, une question de nos confrères de CNews. On attend les cartes actualisées du déconfinement. De nouveaux indicateurs seront-ils appliqués dans l'élaboration de cette carte? Si oui, lesquels? Ou alors resterons-nous avec les critères actuels? Nous dévoilerons très bientôt des indicateurs, des cartes, des mécanismes qui nous auront permis, qui auront permis au président de la République et au Premier ministre de prendre un certain nombre de décisions pour la période de déconfinement qui va suivre le 2 juin. Mais ce ne sera pas forcément les mêmes critères, parce qu'aujourd'hui, si on garde les critères actuels et qu'on les applique à 2 ou 3 jours, toute la France, si je ne me trompe pas, serait en vert. Est-ce qu'on aura les mêmes critères ou est-ce que ça pourrait être des critères différents? Je vous dis que nous travaillons sur un panel d'indicateurs, un panel de critères, un panel de cartes pour affiner les choses le plus précisément possible et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Un peu de patience, c'est bientôt. Alors, mais je comprends, hein, je comprends la question, elle est légitime, mais croyez-moi, on y travaille.
Alors une dernière question pour vous, Monsieur le Ministre. Faut-il assouplir, à votre avis, le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles et les collèges pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de retourner à l'école? Par exemple, le périmètre de 4 mètres carrés autour de chaque enfant pourrait-il passer à 1 mètre carré de distance, comme dans les restaurants? Je ferai la même réponse que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, tout à l'heure. Ces questions-là, nous les abordons en Conseil national de sécurité nationale, Conseil de défense et sécurité nationale, demain matin. Et il y aura ensuite une communication de l'ensemble des informations que vous attendez, que les Français attendent et que nous attendons tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis donc à votre disposition pour répondre aux questions restantes. Alors, entre les menaces de suppression de postes chez Renault, les placements en redressement judiciaire des Halles et de Camaïeu, est-ce que le président de la République a exprimé sa préoccupation sur le contexte social dans toutes ces entreprises? Et est-ce que vous craignez que d'autres entreprises se retrouvent dans des situations aussi difficiles? Alors, ce n'est pas un sujet qui était à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Néanmoins, vous le savez, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Nous savons que nous aurons à faire face à une crise économique d'ampleur, une crise économique telle que nous n'en avons pas connue depuis des décennies. C'est la raison pour laquelle, dès le début du confinement, nous avons pris des mesures de sauvegarde en direction des entreprises. Ça a été le cas, avec la mise en place massive du chômage partiel, mais également avec la mise en place du fonds de solidarité en direction des entreprises, également des prêts garantis par l'État. L'objectif était, dans un moment d'urgence, de soutenir les entreprises et d'empêcher qu'il y ait des faillites immédiates. Nous avons également fait le choix, alors que l'urgence était certes toujours là, mais qu'on commençait à avoir des difficultés se faire jour dans un certain nombre de filières. Je pense à l'industrie du tourisme, aux industries culturelles. Je pense également à l'industrie automobile pour laquelle le président de la République a dévoilé un plan massif d'accompagnement hier. Je pense également au secteur de l'aéronautique pour lequel nous aurons à faire des annonces dans les semaines qui viennent. Nous avons décidé d'accompagner ces filières qui étaient le plus directement impactées et le plus immédiatement impactés. Nous aurons dans les mois à venir à réfléchir, à présenter un plan de relance global pour notre pays concernant l'ensemble des secteurs de l'activité économique, dont on a vu avec les chiffres récemment parus pour l'INSEE qu'elle avait connu un coup d'arrêt brutal, plus brutal d'ailleurs en France que dans d'autres pays de la zone euro, et que nous retrouvions progressivement un niveau d'activité de l'ordre de, je crois, de 4/5 de notre activité habituelle au mois de mai. C'est une situation évidemment très difficile. Nous anticipons qu'il y aura d'énormes difficultés dans un certain nombre d'entreprises et nous ferons tout dans le cadre de ce plan de relance globale pour pouvoir y apporter une réponse. Alors dans la même thématique, après les plans d'aide aux entreprises, le MEDEF demande des mesures coup de fouet avant l'été pour soutenir la demande. Est-ce que c'est envisagé par le gouvernement ? Nous aurons à avoir des discussions avec les partenaires sociaux pour envisager ce que sera ce plan de relance dont je vous parlais à l'instant. Le MEDEF, comme les autres partenaires sociaux, auront sans doute des propositions qu'ils porteront devant le gouvernement. Et dans l'interaction que nous aurons avec eux, nous verrons ce qu'il convient de faire. Mais je ne peux pas vous apporter de réponse immédiate sur ce sujet en particulier. Une question de France Télévisions. En dehors du 14 juillet, qui rendra hommage aux soignants, plusieurs élus réclament un hommage national aux victimes du Covid-19, un peu comme ce que fait l'Espagne. L'exécutif réfléchit-il à un hommage de ce type? Si c'est le cas, sous quelle forme? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un deuil national ou une journée d'hommage? Alors, ce n'est à ce stade pas envisagé. Vous le savez, le président de la République a souhaité que nous ayons, au fond, vis-à-vis de ceux qui ont été en première ligne, mais aussi en deuxième ligne, une reconnaissance qui soit tout à la fois une reconnaissance symbolique. C'est la raison pour laquelle nous avons réactivé la médaille de l'engagement face aux épidémies, mais aussi une reconnaissance financière, économique. Ça a été le cas à travers les primes qui ont été mises en place par le gouvernement pour l'ensemble de ceux qui ont eu à lutter, à s'engager contre le Covid-19. Ce sera aussi l'objet du plan que le ministre des Solidarités et de la Santé est en train de travailler actuellement. À ce stade, c'est ce que je peux vous dire. Une question de Yannick Falt de France Info. Agnès Buzyn avait assuré avoir alerté le gouvernement dès janvier sur la gravité de l'épidémie du coronavirus, ayant aussi qualifié d'ailleurs de mascarade les élections municipales. Est-elle toujours légitime pour défendre les couleurs de la majorité à la mairie de Paris? Et elle devrait par ailleurs prochainement s'exprimer dans une interview Vérité. Attendez-vous des excuses de sa part? Agnès Buzyn, en tant que ministre de la Santé, a été un grand ministre de la Santé.
C'est sous sa houlette que le gouvernement a présenté le plan Ma Santé 2022 qui permet d'engager une transformation en profondeur du système de santé. C'est également sous sa houlette que ce gouvernement et l'ensemble des services de l'État ont commencé à se préparer à la pandémie de coronavirus à une époque, et je tiens à le rappeler, où nous n'avions pas la certitude. Et c'est ce que nous disait la communauté scientifique, qui était très partagée sur le sujet, c'est ce que nous disait aussi l'OMS, que nous n'avions pas la certitude que la vague à laquelle nous nous attendions se transformerait en tsunami. Cette ministre de la Santé a fait un choix courageux d'engagement politique en remplaçant au pied levé le candidat que nous avions, que nous devions malheureusement perdre à Paris, en l'occurrence Benjamin Griveaux, et je profite de cette occasion pour le saluer très chaleureusement. Agnès Buzyn a eu un engagement à chacun des jours de cette campagne municipale avec un projet qu'elle a porté haut et fort avec l'ensemble des partenaires de la majorité présidentielle autour d'elle. Et c'est une campagne dont, je crois, nous n'avons en aucun cas à rougir. Lorsqu'il s'est agi, dans le cadre de la crise, de venir au fond au secours, au chevet de ceux qui étaient atteints par le Covid-19, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a exercé à l'hôpital militaire de Percy, ce qui était au fond sa profession de foi première, en l'occurrence être un soignant auprès de ceux qui souffrent, tandis que d'autres faisaient le choix de continuer à mener une certaine forme de campagne électorale. On voit bien en la matière que les objectifs ne sont pas tous les mêmes dans les périodes de crise. Agnès Buzyn a annoncé sa décision de poursuivre le combat dans les élections municipales parisiennes. Je crois que ça l'honore tout à fait. Les partenaires de la majorité, comme le mouvement de la majorité, sont évidemment derrière elle, unis pour continuer à mener ce combat municipal. Et elle est tout à fait légitime pour le faire. Elle a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises. Elle voudra et elle dira sa part de vérité, et je lui en laisse tout à fait le soin. On a appris qu'Emmanuel Macron avait appelé l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a depuis déclaré à la radio « Je chie sur le président et le président me rappelle ». Alors pourquoi le président de la République a-t-il appelé Jean-Marie Bigard et est-ce que ces échanges sont amenés à se renouveler ? Je n'ai pas pour habitude de commenter les échanges du président de la République avec qui que ce soit, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'échanges privés, si tant est qu'ils aient eu lieu. Il n'en demeure pas moins que je m'étonne que certains commentateurs s'esbaudissent du fait que le président de la République puisse avoir des échanges avec un tel ou un tel, comme s'il y avait des gens avec qui il était légitime de parler et des gens avec qui ça ne l'était pas. Les propos de Jean-Marie Bigard depuis cet échange... Je ne les commenterai pas. Une question de Bloomberg. Le chef de la diplomatie européenne a appelé les États membres à exprimer une réponse robuste aux efforts chinois pour renforcer son contrôle sur Hong Kong. La France condamne-t-elle le traitement des manifestations et les efforts chinois à Hong Kong? Et puis, des sanctions sont-elles nécessaires? Sinon, quelle peut être, pardon, cette réponse robuste? En la matière, le porte-parole adjuqué a eu l'occasion de s'exprimer. Je vous renvoie donc vers ses déclarations. Dernière question de Rama Sofia pour United States Press Agency. Lors de son allocution du 12 mars, le président de la République a dit « Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés, quoi qu'il en coûte ». Serait-il envisageable pour relancer la consommation de mettre en place un revenu universel inconditionnel qui a par ailleurs été plébiscité par des chercheurs, des économistes et même par le pape ? Vous le savez, le gouvernement avait entamé un travail avec de très larges concertations sur la question d'un revenu universel d'activité. Nous sommes très attachés à la valeur travail dans cette majorité, vous le savez, nous avons toujours considéré qu'il fallait, pour sortir de la pauvreté, offrir à tous ceux qui en étaient malheureusement victimes, la possibilité de s'en sortir par l'activité. Ce travail a été malheureusement interrompu du fait de la crise. Il a vocation à se poursuivre et nous aurons, dans le cadre de cette seconde partie du quinquennat, à voir comment est-ce que nous avancerons sur ce sujet. Merci. Merci à vous.